quelque part, ce Yann. Yann. Tu l'as eu? Ben oui, je l'ai eu. Viens là! C'est trop obscur. Ah, vous voyez, ici, nous rentrons dans l'administration. Les profs défilent l'un sur l'autre. Et dire que c'est peut-être la dernière fois. Voici que nous émergeons vers la salle des professeurs. Qu'allons-nous trouver derrière cette porte qui, pendant tant d'années, nous a, comment dire, impressionnés. Tu tournes trop vite, Coco. Alors voilà, à droite, monsieur Chevet, et à gauche, monsieur Casabonnet. Toujours aussi décontracté, vous remarquerez, même devant les caméras. Bien, on va l'interroger. On va aller voir quelle télévision. On va arrêter du globe. Monsieur Casabonnet, que pensez-vous de ce résultat de 100%? J'aurais aimé que ce soit pareil en mai. Mais Bachelier heureux, dis, hé, parlez à ta sœur, mais ta sœur m'a encore oublié. Ton père est rentré en France. Il est rentré son permis. Et il a eu un dossier de maths pour toi? Il a pu en avoir un ou pas? Je sais pas. Bon, tu sais que le problème du dossier de maths sup. 10 sur 17. 10 sur 17 ou 17? Non, c'est pas bon, il m'a l'air. Là? Le 10 sur le 5, dans un frère. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent, ça va? C'est pas vrai. Thierry! Voilà l'homme le plus beau du lycée. Recule-moi! Ne roulez pas! Je suis prête toute seule. Oh, je suis tombée. Thierry, tu viens ou pas? Vas-y. Oh Yann, c'est pas bon ça. Allez, viens sans drive pour Colin. Bom dia, Joana. Bom dia. Ele vai filmar toda essa bagunça. Eu queria que ele filmasse uma cabine bonitinha, meu anjo.